Bienvenue à cette conférence sur les rivages utopiques de Thomas More à Vie Island. Nous allons aborder ensemble les rives d'un étrange pays qui évite d'ordinaire les voyageurs raisonnables. Ulysse, pour tromper le cyclope, dit s'appeler personne. Thomas More, un des premiers découvreurs de la contrée qui va nous intéresser, l'a baptisé Utopie, ce qui signifie non-lieu, en grec aussi. Personne, transposé à la géographie, donc nulle part. Trait d'humour typiquement anglais de la part de cet homme, qui exerçait la combien sérieuse fonction de chancelier d'Angleterre, trait d'humour ou habile subterfuge, car l'utopie est tout sauf inexistante. Du rêve d'un retour à un âge d'or, ou même simplement son avènement, au rêve d'un grand soir, l'utopie traverse l'histoire et l'imaginaire humain. Mais l'histoire, en particulier au XXe siècle, nous a durement montré que sous couvert d'instaurer le paradis terrestre, l'utopie pouvait participer à théoriser et mettre en place les antichambres de l'enfer. Notre cher chancelier, Thomas More, nous montrait déjà, s'il a dessiné un état idéal en 1516 avec l'utopie, son souverain, Henri VIII, lui fait couper la tête en 1535. L'utopie, être utopiste, est quelque chose de dangereux d'être humain. Alors, c'était une introduction personnelle, mais il y a autant d'utopie qu'il y a de personnes. Et pour commencer, je propose que chacun se présente et dise quelle est l'utopie, sa définition d'utopie personnelle. Ok, alors, 1, 2, 3, ça y est, c'est branché, voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là pour Nice Fiction. Alors, ma définition de l'utopie, d'abord je me présente, donc Hugo Bellagamba. Moi je suis historien du droit et des idées politiques à la faculté de droit de Nice. Et j'enseigne notamment, entre autres choses, l'histoire de la pensée, et dans l'histoire de la pensée, l'histoire des utopies. Donc j'ai un rapport à l'utopie, on pourrait dire, qui est très académique finalement, de prime abord. Je vais utiliser la définition de l'utopie de la façon la plus classique qui soit, c'est-à-dire que pour moi, l'utopie commence avec Sir Thomas More en 1516. C'est lui qui écrit la première utopie qui est reconnue comme telle par tous les chercheurs, tous les penseurs, tous ceux qui vont étudier l'histoire de l'utopie. Donc on est en 1516, au XVIe siècle, c'est le futur chancelier d'Angleterre. C'est une œuvre qu'il considérait lui-même comme mineure, mais qui interroge le regard critique. C'est une sorte de premier discours critique sur l'histoire de l'Angleterre. Et si l'utopie est une île, c'est parce que l'Angleterre est une île aussi. Donc ma définition de l'utopie, à ce stade-là, très académique, c'est celle qui situe l'utopie au départ de Thomas More et qui va suivre l'évolution de l'utopie de Thomas More jusqu'au totalitarisme imaginaire d'aujourd'hui, je dis bien ce imaginaire, 1984 de George Orwell, les contre-utopies, les dystopies, les uchronies aussi que j'intègre, c'est-à-dire tous ces discours qui, sous couvert d'imaginaire, interroge en réalité les institutions, les valeurs politiques d'une société et les mettre en perspective, parfois en faisant une critique acerbe. D'accord ? Voilà. Merci Hugo. Donc moi je suis Aldo Papacoda, je suis auteur de jeux de rôle et occasionnellement novelliste. Comme tous les auteurs de jeux de rôle, je m'intéresse en fait à des univers fictifs. Et l'utopie, je l'aborde par rapport au rapport entre l'idéal et la réalité. Alors l'idéal d'un univers ou d'une transposition de notre réalité dans des uchronies justement ou dans des univers complètement imaginaires. À titre personnel, l'utopie, je l'envisage moins dans une perspective académique et historique, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une perspective psychologique, puisque je pense qu'il est difficile d'envisager l'utopie uniquement en termes sociaux, en termes culturels, qu'elle passe aussi par des besoins d'accomplissement et d'absolu personnel. Donc de la même manière qu'on a des idéaux de développement ou des idéaux mystiques ou des idéaux sociaux, on retrouve toujours les mêmes phénomènes en fin de compte, on retrouve des aspirations à des absolus et on retrouve un certain nombre d'échecs, voire de contre-aspirations, voire de mouvements qui justement battent en brèche ces aspirations. Voilà. Jean-Luc Gottereau, j'enseigne la philosophie des sciences à l'Université de Nice Sophie Antipolis, au département de philosophie.
Je m'intéresse aussi un peu à la philosophie politique, et c'est peut-être d'ailleurs dans ce cadre-là que je suis conduit à m'intéresser à l'utopie. Alors, qu'est-ce que j'entends par utopie ? Ben, je pourrais faire comme Hugo, partir de Thomas More, mais après il faudrait faire tout un long historique et on y serait encore là dans 2-3 heures, donc je vous l'épargne. Je vais peut-être simplement dire que bien que ne connaissant pas le règle, je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre modérateur qui a caractérisé le U d'utopie comme un privatif et qui a caractérisé donc l'utopie comme un non-lieu. En fait, les spécialistes, d'abord, dans le livre de More, l'utopie s'appelle utopie parce que ça a été fondé par le grand Utopus. C'est simplement le nom de celui qui l'a mise en place. Et les hellénistes disent que le U d'utopie, si on veut essayer de l'interpréter, ça peut aussi bien être un privatif que ce qui reste de EU, heureux. Et j'aurais plutôt tendance à voir l'utopie comme un lieu heureux que comme un non-lieu. D'ailleurs, les premières utopies, on en revient là à la question de l'île, étaient des îles, justement, il me semble, parce que leurs auteurs voulaient suggérer, là je m'éloigne peut-être aussi un peu de Hugo, que c'était des lieux qui existaient bel et bien. Mais simplement, on ne les connaissait pas parce que c'était une époque où on ne naviguait pas encore très bien et donc c'est tout à fait par hasard qu'on tombe sur ces utopies. C'est le cas de celle de More, c'est le cas de la Nouvelle Atlantide de Bacon, c'est encore le cas au XIXe siècle de l'Icarie de Cabet. Et donc, voilà, pour moi, à la base, l'utopie, c'est le lieu heureux. Donc, je vous épargne toute l'évolution. Et pour moi, maintenant, étant, en tant que je m'intéresse à la philosophie politique, lecteur de Heinz Bloch, je dirais rapidement que l'utopie, c'est la lumière de la société meilleure à venir qui doit nous éclairer dans notre présent pour nous diriger dans nos actions. Et justement, comme vous venez de le signaler, dès le départ dans le livre de More, l'Utopie, il se présente sous la forme d'un dialogue entre un étranger et donc More, habitant de l'Angleterre. Et en fait, c'est l'étranger, en racontant la vie de son pays, qui quelque part éclaire en retour des problèmes actuels de l'époque. Est-ce que l'inventaire de l'utopie se rejoint souvent sur le fait qu'on va être dans des espaces clos, mais en même temps pas coupés, accessibles? Donc il y a soit la figure de l'île, ou soit la figure de l'île avec juste un bras de terre reliant. Est-ce que vous pouvez essayer de dire, à votre avis, est-ce que c'est juste une figure ou est-ce qu'il y a un sens, une symbolique ou une intention derrière ? Il me semble justement, enfin c'est un peu ce que j'ai dit, qu'il y a une intention, pas une intention politique, mais simplement une intention de crédibilité du récit. C'est suggérer que c'est un lieu qui existe et indiquer pourquoi on ne l'a pas trouvé. Et en même temps, c'est vrai, je n'insistais pas, mais c'est parce que je n'ai pas suffisamment relu d'utopie, je ne suis pas sûr que ça soit valable pour toutes. Bien insister, ce n'est pas comme les mondes fantastiques qu'on va trouver dans Tarzan, par exemple, des mondes qui sont complètement isolés, où les gens n'ont pas connaissance de l'extérieur. En général, ceux qui conçoivent des sociétés heureuses voient que ces sociétés sont d'autant plus heureuses
choses que, même si elles sont ignorées de l'extérieur, elles connaissent l'extérieur. C'est particulièrement net dans la Nouvelle Atlantide de Bacon ou dans l'Icarie de Cabé. Les habitants de la Nouvelle Atlantide voyagent hors de la Nouvelle Atlantide et y reviennent. Les habitants de l'Icarie voyagent hors de l'Icarie et y reviennent. Donc il y a assez souvent l'idée que l'utopie est un lieu relativement isolé, mais pas trop, ce n'est pas une prison. Et justement, l'île est vue par ses auteurs comme le lieu isolé qui n'est pas une prison dont on peut sortir, et quand on sait qu'il existe, on peut y revenir. Pour compléter, mais enfin là, on se complète tous les deux, après on va aussi laisser les autres regards, mais alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais globalement oui, c'est-à-dire c'est pas un lieu isolé, c'est un lieu qui existe et qui interagit avec l'extérieur. D'ailleurs, la preuve, c'est que tous les récits qui sont des dialogues, hein, où on raconte les utopies, sont toujours des dialogues faits a posteriori, donc il faut bien qu'on soit revenu de l'utopie pour pouvoir en parler. C'est vrai chez Thomas More, c'est vrai chez Campanella, c'est vrai chez Bacon, enfin il y a plein d'exemples comme ça. Elle est souvent reliée par un bras de mer, un nihilisme, enfin il y a quelque chose qui la relie littéralement au continent. Après, autant je suis 100% d'accord avec toi sur La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, ou même sur d'ailleurs Campanella, qui d'une certaine manière situait la Cité du Soleil à Taproban, c'est-à-dire à Sumatra. Mais il y a pour Thomas More un détail qui peut être intéressant pour vous, hein, en fait. C'est dans le nom, le choix des noms. Alors certes, utopie vient d'utopus, donc on pourrait oublier complètement cette histoire de terminologie et se dire bah, utopus a fait utopie, donc ça s'appelle utopie, tout simplement, voilà. Mais il y a cette ambiguïté sur le « et où » que tu as parfaitement raison de souligner, sauf que quand même, que ce soit le lieu du bonheur ou le lieu qui n'existe pas, dans la terminologie qu'emploie Thomas More, il y a la volonté d'affirmer qu'il décrit quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, le fleuve qui court et qui coule à l'intérieur des villes d'Utopie, c'est l'Anidris, le fleuve sans eau. Les citoyens sont les Alaopolites, c'est-à-dire les citoyens sans cité. Et finalement, il y a une négation de l'existence même de l'Utopie dans le dispositif de Thomas More, ce qui fait qu'il rappelle bien que ce qu'il est en train de raconter est une fiction pour échapper en grande partie aussi à la censure qui pourrait lui tomber dessus s'il était trop flagrant qu'il faisait la critique de la réalité. Donc pour moi, le « ou » de utopie est quand même un « u ». Mais c'est le jeu, je pense. Voilà. Je parlais de l'humour possible. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un... comment il s'appelle, Michel Rio-Sarcé, qui a fait un super dictionnaire sur l'utopie, qui dit, en fait, au fond, Thomas More n'a pas eu la postérité qu'il aurait mérité. Parce que lui était vraiment dans le « u » privatif, alors que tous ceux qui ont suivi ont voulu laisser croire que l'utopie existait quand même peut-être quelque part et qu'un jour on pouvait l'atteindre. Voilà, pour compléter un peu. Aldo, dans ton univers de jeu de rôle, fatalement, à un moment, il a fallu que tu crées des sociétés et il a fallu que tu les places sur une carte imaginaire. Comment tu décides, en fait, où se situent les différentes factions, les différents peuples? Est-ce que l'île, par exemple, dans ton univers, a eu une importance par rapport au peuple que tu as placé dessus? Alors, déjà, quand on fait des univers imaginaires dans le cadre du jeu de rôle, on n'est pas dans le cadre du roman ou du film, puisque les joueurs de jeu de rôle sont des acteurs de plein droit du monde. Donc on attend, en tant que joueur, quand on l'est, de pouvoir justement peser sur les événements, peser sur la société dans laquelle les personnages évoluent. Ça peut être par rapport à des choses assez classiques, genre des coups d'État, des révolutions. Ça peut être aussi par rapport à des aspirations plus nébuleuses que les joueurs, ou en tout cas leurs personnages, partagent. Quand on conçoit donc un univers par rapport à ça, bon, on essaie d'avoir un univers le plus cohérent et vraisemblable possible, mais tout en gardant dans le regard cette idée que cet univers doit aussi se montrer malléable, non pas parce qu'il est destiné à être transformé par les joueurs, mais parce qu'ils y sont acteurs et que donc ils auront forcément un retentissement dessus, à petite ou à grande échelle.
Tout ça m'amène à dire que, justement, quand on parle de placement et d'île, pour en revenir aux utopies qu'on connaît, nous, à travers notre propre histoire, notre propre culture, elles ont ce caractère insulaire. Et à mon sens, il n'est pas innocent parce que il se heurte ou il témoigne de cette crainte sous-jacente que l'utopie soit impossible. D'ailleurs, on le constate, que ce soit quand on dit « je vais me tourner vers du développement personnel pour atteindre un état de connaissance ou d'éveil ou de satisfaction », que quand on se dit « on va essayer de transformer la société de manière à ce que l'ensemble des membres qui la composent puissent obtenir et la connaissance et la jouissance de leur corps et de leur évolution personnelle au sein de la collectivité ». Ainsi qu'un poids sur comment cette collectivité va évoluer. Or, tous les humains, depuis toujours, je pense, sans vouloir faire quelque chose qui ait l'air prétentieusement universaliste, se heurtent individuellement et collectivement aux forces du conservatisme, aux forces de l'habitude et à la crainte du fait qu'on n'exerce que très peu de contrôle sur la réalité, à commencer par la réalité de notre propre représentation de qu'est-ce que c'est la société, qu'est-ce que c'est nos idéaux. Donc tout ça pour dire que nommer l'utopie et la considérer comme étant un lieu possiblement existant, mais en tout cas un lieu difficilement accessible, c'est déjà implicitement et délibérément admettre qu'il est potentiellement inatteignable, mais nécessaire parce qu'on sait que ce lieu peut exister, voire existe. Et ça nous rapproche directement de toute la conception qu'on peut avoir du rapport entre l'idéal et le réel. Je veux dire, on tend vers un idéal. Tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, l'utopie, ainsi de suite, doit être un éclairage dans notre présent. Et on est exactement dans ça. On sait très bien, et le XXe siècle nous le montre, que beaucoup de tentatives d'utopie sociale, par exemple, on n'a qu'à prendre la révolution russe, et même dans notre propre histoire nationale, la révolution française, on voit très bien que ces grandes tentatives de peser collectivement sur notre destin et celui des générations qui vont nous suivre, peuvent dérailler très facilement et être ensuite réinterprétées. Il n'y a qu'à voir la Révolution française, par exemple, tout ce qu'on a pu raconter sur un certain Robespierre, qui a été mis à toutes les sauces. Tout ce qu'on raconte encore, de toute façon. Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, je termine juste là-dessus pour repasser la parole un peu aux autres, sur cette idée qu'en fait, l'utopie, à mon sens, c'est vraiment l'idéal, mais exprimé en tant que tel, contrairement à d'autres idéaux où on va vous dire on y arrivera, on va l'atteindre, c'est possible, on va dire le paradis est pour demain. Là non, l'utopie c'est on doit tendre vers ça en sachant très bien qu'il est tout à fait possible qu'on n'y arrive jamais. Mais parce qu'on tend vers ça, on exerce un pouvoir réel et on peut obtenir une transformation. Alors, on va parler d'utopie sociale, mais je veux dire, si on se penche sur certaines doctrines philosophiques, on n'a qu'à parler de l'éveil bouddhiste, par exemple, on parle aussi dans de l'utopie individuelle. On sait très bien que personne n'atteint l'illumination, mais tendre vers elle est important. Voilà. Vas-y. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a deux façons d'envisager l'utopie. Soit l'utopie est envisagée comme un idéal politique à atteindre, et là, on pourrait réinvoquer les mannes de Platon avec la République. Ou alors, l'utopie est une direction, un état vers lequel aller, mais de façon asymptotique, en se rapprochant de l'île, en sachant qu'on ne peut pas le réaliser entièrement. Je vais rebondir dans mes quelques notes. Je vous fais une citation. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien qu'on en parle derrière. Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Est-ce que vous avez une idée d'où c'est tiré? Eh ben, c'est tiré en fait du prologue d'Aldous Huxley de 1984 par Nicolas Berdaïev, en citant que dans la version originale, il est en français. Et est-ce que ça vous inspire quelque chose?
Alors, moi, j'y vais d'abord. Bon, en fait, ça correspond bien à ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait, ce prologue-là nous parle aujourd'hui beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'utopie est réalisable techniquement, technologiquement. Enfin, il y a plein d'utopies qui sont en train de se réaliser, une forme d'égalité soutenue par la technologie, une forme de démocratie directe en train d'émerger qui semble fonctionner ou être en train, en tout cas, de donner des résultats. Mais cet état d'esprit, de ce sentiment de l'utopie réalisable contre laquelle il faudrait éviter d'aller, c'est aussi une bonne manière de définir la dystopie. C'est-à-dire le cauchemar qui nous attend, dont on sait qu'il n'arrivera pas exactement de la manière dont il est décrit dans le texte en question, 1984, Le meilleur des mondes ou autre, mais dont le texte va servir à peser sur le présent pour rendre le présent conscient de ce qui peut advenir. En gros, méfiez-vous de ce que vous souhaitez. Et ça, ce mécanisme dystopique, il est aussi finalement ancien. Et pour moi, la première dystopie, je le disais dans une autre table ronde tout à l'heure, c'est L'île aux esclaves de Marivaux, donc c'est le XVIIIe siècle. Mais après, les vraies dystopies commencent à apparaître avec l'industrialisation. Et on a une sorte de mouvement tout au long du XIXe siècle, où on voit finalement d'abord un engouement pour la technique, un engouement très marqué pour la science, pour la manière dont la science, par ses applications, change le monde. Le point de départ, c'est finalement la révolution industrielle, on va dire, et ce qu'elle apporte. Mais en même temps, derrière se profile la question sociale, les nouvelles inégalités, la mécanisation et la déshumanisation qui s'en suivent. Et cette citation que tu fais est parfaitement dans cette optique-là, c'est-à-dire, si maintenant l'utopie arrivait, aurions-nous les moyens de l'éviter ? Et on arrive vers ce qu'on appelle donc la contre-utopie ou la dystopie. Je sais qu'il y a des gens qui distinguent dystopie de contre-utopie, mais je ne vais pas rentrer dans le débat terminologique. Pour moi, ça, c'est le fruit du 19e siècle. Ce que tu viens de décrire là, qui est écrit évidemment en 1984, donc par George Orwell en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, on a cette idée de la peur de ce que la technique va apporter dans les transformations des rapports humains, en réalité. Et cette peur-là, elle est l'un des fondements les plus forts de toutes les utopies, enfin les contre-utopies totalitaires qu'on a connues. Aujourd'hui, ça revient. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quelque chose de clair, c'est que l'utopie est réalisable. Le problème, c'est qu'elle est toujours subjective, cette utopie. C'est-à-dire l'utopie des uns est sans doute le cauchemar des autres. Et du coup, comme nos moyens se sont décuplés, que nos capacités techniques ont considérablement augmenté, moi je suis assez d'accord avec ta citation, elle est super pertinente, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est presque en train de commencer un combat intellectuel contre l'utopie qui risque d'arriver, et qui sera en fait une dystopie, plutôt que dans un combat qui consistait à concevoir des systèmes idéaux qui éclaireraient notre présent. Je réinterviens juste un moment, parce que... C'est peut-être dû à la fatigue. Je me suis peut-être trompé ou c'est toi qui as basculé. J'ai dit 1984 ou Le meilleur des mondes ? C'était Le meilleur des mondes et on était en Huxley. Donc je m'excuse, mais c'est... Voilà. Ouais. Ah bon, alors c'est moi qui ai mal. Ouais, d'accord. Oui, alors moi en fait je ne suis pas tout à fait d'accord dans un certain sens avec la citation, si ce n'est qu'après je vais peut-être être d'accord tout compte fait, mais je commence quand même par ne pas être d'accord en ce sens que ce que je conçois comme utopie, alors certes l'utopie des uns n'est pas forcément celle des autres, me paraît de plus en plus éloigné maintenant et non pas de plus en plus proche de se réaliser. Dans la mesure où nous avons de moins en moins de prise sur notre destin collectif, où nous sommes de plus en plus dépossédés de la possibilité de notre organisation sociale, où la société fonctionne de plus en plus comme une machine qui échappe complètement, en fait, pas simplement à notre contrôle, mais à tout contrôle même, me semble-t-il, dire que ce sont les oligarques qui manipulent tout, ça me paraît une vision un peu complotiste et assez dangereuse. C'est plutôt un fonctionnement systémique qui contrôle tout le monde, y compris les privilégiés, et qui ne me semble pas vraiment nous conduire vers l'utopie, mais plutôt vers la destruction. Alors,
Ceci dit, à la réflexion, justement, parce que c'est le meilleur des mondes, je me dis que la citation n'est pas si fausse et que j'ai eu tort, effectivement, de mettre l'accent sur le « e » en tant que société heureuse. C'est-à-dire que, effectivement, ma conception de l'utopie et de la société à venir qui doit éclairer notre présent pour nous diriger dans nos actions, ce n'est pas vraiment une société heureuse, en ce que je ne suis pas sûr que le bonheur, sans plus de précision, ça soit un idéal à atteindre. Parce que si on réfléchit à la société du meilleur des mondes, justement, en dehors du sauvage qui vient de l'extérieur de la société, c'est effectivement une société heureuse, puisque tout le monde est défoncé, et ceux qui ne sont pas défoncés sont des privilégiés et sont relativement heureux. Et on se sent, c'est vrai, que peut-être on va vers cette utopie-là, une société heureuse, mais qui ne me semble pas vraiment heureuse, parce qu'on y serait heureux à coup d'antidépresseurs, à coup d'euphorisants, mais... pour moi, le bonheur, ce n'est pas simplement ça, ce n'est pas un bonheur humain, ça c'est un bonheur de plante, d'être complètement dépourvu de conscience. Pour moi, le bonheur humain est plus exigeant, c'est vraiment l'autonomie, c'est la possibilité d'intervenir sur son devenir. Mais du coup, est-ce que le terme bonheur est adéquat? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Et si je peux encore un peu parler, j'interviendrai par rapport à ce qu'a dit Hugo. Il y a eu effectivement, à partir du 19e siècle, une phase où les utopies ont pris de plus en plus, à tort, me semble-t-il, mais ce n'est pas Hugo qui a tort, ce sont les utopistes du 19e qui ont pris à tort, me semble-t-il, la technique comme une condition permettant de réaliser le bonheur, alors qu'on se rend compte maintenant, mais certains s'en sont rendus compte dès le début du 20e siècle, que la technique peut éventuellement améliorer les choses, mais que si on fait reposer la société heureuse sur elle, alors on est vraiment mal parti. Et je citerai comme modèle de ce qui me semble une véritable utopie au sens où je l'entends, une société où les gens sont libres, responsables, le texte de William Morris, News from Nowhere, Nouvelle de nulle part, qui est une utopie où on n'a pas rejeté la technique, il y a des machines de temps en temps, mais on ne les utilise que minimalement, et tout ce qu'on peut faire sans machine, on le fait sans machine. Absolument, juste pour en deux mots pour compléter, parce que l'on est complètement d'accord du coup. Effectivement, le problème des utopistes du 19e siècle, c'est qu'ils ont soit rejeté la machine, soit ils ont idolâtré la machine. Et que Maurice, justement, est l'un des rares à peser le principe que la machine contribue au bonheur, mais ne doit pas en être l'horizon ou la clé. C'est-à-dire que quelque part, on a là deux pôles extrêmes de poser, et qu'il y a peut-être une utopie intermédiaire, ou que du moins, à travers ces deux pôles extrêmes, que peuvent être, de façon générale, l'utopie et la dystopie, on peut trouver une voie médiane, qui n'est pas forcément celle du milieu, et typiquement une voie où, sans refuser la technique, on va la moduler et choisir l'outil, certes, mais l'outil, et là je vais faire de l'étymologie encore une fois, l'outil utile, et ne pas simplement virer à prendre n'importe quelle chose, parce que voilà, c'est de la technique. Non. Pourquoi ? Dans quel usage ? Etc. Oui, moi je voudrais un petit peu insister, justement, puisque c'est ce que m'évoquent vos échanges à l'instant, sur l'aspect dynamique de l'utopie. On le retrouve dans un idéal révolutionnaire qui a fait couler beaucoup d'encre et aussi de sang au XXe siècle, qui est l'idéal communiste, ou même l'idéal socialiste, quand on se rappelle que l'idéal socialiste, aux origines, veut instaurer dans un premier temps la fameuse dictature du prolétariat, mais pour évoluer vers une société sans classe. Oui. L'ère du bonheur universel commencera quand le peuple soviétique jouira des bienfaits du communisme. En tant que tel, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas si... Oui, mais on en arrive en fait à imaginer que l'utopie, c'est comme une ligne d'arrivée. On atteint un certain nombre de conditions qui déclenchent
ce changement, et après, tout le monde s'en va dans le soleil couchant, et tout est parfait. Ce que l'histoire, et même tout un tas d'autres choses nous ont appris, c'est qu'évidemment, ça marche jamais comme ça, parce que très vite, ce dynamisme se fige. Tu parlais tout à l'heure du rôle que peuvent jouer les oligarques ou les élites d'une société. Bon, il est évident qu'on va pas tomber dans le complotisme, mais on sait aussi, c'est systémique, que la première fonction d'un système, y compris un système social, c'est de se perpétuer lui-même. Et que le premier intérêt des gens qui sont au sommet de ce système, eh ben, c'est que puisqu'ils en sont les principaux bénéficiaires, ça continue. Donc l'inertie est le premier obstacle à la réalisation de l'utopie, puisque dès que cette utopie potentielle, là je reste dans les utopies sociales, hein, échappe, on va dire, à notre intention, à notre contrôle collectif, elle se fige d'une façon ou d'une autre, et donc elle cesse d'exercer son rôle même d'utopie, elle cesse d'être réalisable. Et je voudrais revenir juste brièvement sur la notion des rivages et de l'insularité de l'utopie. Les utopies qu'on a pu voir évoquées sont toujours des utopies où si les gens qui y vivent vont vers le monde extérieur, si parfois un étranger y pénètre, elle demeure imperméable à ce monde extérieur, sous peine de disparaître. Ces utopies sont non pas tant insulaires qu'isolationnistes. D'ailleurs, on a vu des mouvements qui ont tenté d'appliquer ça, je veux dire, hein, les phalanstères et même certaines dérives sectaires et autres, où on part du principe que l'utopie ne peut être réalisable qu'à une échelle réduite, si possible avec une population sélectionnée et éduquée pour les générations suivantes dans cette utopie, mais qui doit rester à l'écart, même si elle a des liens avec le reste du monde. Donc en fait, on est dans une utopie qui n'est pas du tout utopique, on est dans un refuge. Et je vais faire plusieurs liens. Justement, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que même dans l'utopie, le fait d'être sur une île, si jamais il y a quelqu'un qui est en dehors de l'utopie, ben c'est très simple, il peut partir. Et le système va continuer à perdurer. Et justement, ce qui est très intéressant dans la question entre utopie et dystopie, c'est que c'est juste la focale qui est adoptée par l'auteur. Il y a certains univers où, oui, la société fonctionne pour 99% des gens. Mais qu'advient-il pour les 1% qui ne peuvent pas rentrer dans le système? Et là, depuis Huxley, justement, on voit que le système va le détruire. Pardon, si c'est un système global, qu'est-ce qu'on fait de ces 1%? Parce que, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, dans une utopie qui est sur une île, les gens qui ne sont pas d'accord peuvent toujours partir. Si l'utopie s'applique à toute la planète, que fait-on des gens qui ne sont pas d'accord? On part dans l'espace, éventuellement. Vas-y. Alors juste, je pense que il va y avoir d'autres interventions sur cette question-là. Je reviens sur l'utopie socialiste. Pas pour te contredire du tout, mais parce que moi je fais une distinction en tant qu'historien du droit entre les utopies socialistes et le marxisme. C'est pas la même chose pour moi. C'est-à-dire que Marx, la pensée de Marx, qui après a donné le marxisme, mais qui est en fait une sorte de réappropriation de la pensée de Marx, exactement comme l'augustinisme est une réappropriation de la pensée de Saint-Augustin. Hein. Marx n'aimait pas les utopies. D'ailleurs, il avait un regard un peu méprisant sur toutes ces utopies, justement, figées dans le temps, etc., dans un futur. Et donc, sa démarche était justement de dire, ma démarche est scientifique, et par les grandes lois de l'histoire, on est presque dans le déterminisme historique, des lois de l'histoire et de l'économie, il va y avoir une lutte des classes, elle est inévitable, et à terme, elle amènera à la disparition des classes. Et du coup, lorsqu'on parle d'utopie dans cette table ronde, le marxisme aujourd'hui, on le voit, et c'est révélateur, on le voit comme une utopie qui a échoué, mais du point de vue de ceux qui l'ont conçu, de ceux qui l'ont pensé, de ceux qui l'ont écrit en 1848, au moment où la question sociale devient prégnante, c'est tout le contraire d'une utopie. C'est une solution concrète et réalisable. Et en fait, on pourrait presque dire, de ce point de vue, que du point de vue marxien, c'est un processus réalisable et peut-être même inévitable, tu vois, mais pas comme l'utopie. Et d'ailleurs, il y avait un grand mépris pour toutes ces visions utopiques qui étaient finalement inatteignables et de toute façon qui n'arriveraient pas, voilà, et stériles. Donc ça, c'est un regard que nous aujourd'hui on confond. Mais c'est
on confond complètement finalement tout ce qui était, et c'est là où moi je vois à quel point moi j'ai un point de vue étroit finalement, c'est que moi le point de vue qui m'intéresse c'est toujours le collectif. Moi je suis pas bon pour parler de l'utopie individuelle, j'ai du mal parce que j'ai pas les bons repères. Ce que toi tu as mis sur le terrain de l'utopie individuelle, beaucoup plus, parce que moi par exemple en tant qu'historien des idées je vois toujours l'utopie collective. Et c'est pour ça que, tu vois, on n'est pas du tout, on est très complémentaires dans la manière dont on approche, dont on aborde le sujet. Il y aura peut-être presque deux tables rondes à faire, parce que c'est vraiment deux manières différentes de... Je crois qu'il faudrait un peu nuancer les propos de Marx sur l'utopie et sa critique des utopies. Alors certes, il y a la revendication scientifique, mais il y a aussi quand même dans sa critique des utopies quelque chose dans quoi il rejoint d'une certaine façon ce que dit Aldo, à savoir que, et ce n'est pas pour rien que j'ai cité Bloch qui est marxiste et qui distingue deux types d'utopies, qui sont en fait tous les deux dans Marx. Il y a d'une part ce que Bloch appelle l'utopie formelle, ce sont ces utopies dans lesquelles les utopistes nous décrivent déjà parfaitement, effectivement, la société heureuse. Et quelle que soit la description qui en est faite, même si on peut trouver qu'elles ont des tas de qualités, on peut se dire quand même, quand on voit déjà ça décrit depuis longtemps, que vraiment on s'y ennuierait vraiment. Ces utopies-là sont véritablement des utopies normatives qui nous conduisent, sans qu'elles le veuillent, vers la dystopie. D'où le sens de la critique de Marx de l'utopie. Et pour lui, ce n'est pas de l'utopie qu'il le dit, mais du communisme, mais d'une certaine façon, c'est la même chose, c'est le mouvement réel qui abolit l'état de choses existant. Et pour aller vers quoi ? Ben, Marx, justement, se refuse à le dire en détail parce qu'il dit qu'il ne veut pas donner de recettes pour les marmites de l'avenir. Il veut justement laisser la possibilité de dynamisme qu'évoquait Aldo, et je crois qu'effectivement il est important de rester toujours dans cette possibilité dynamique. Et donc Marx a cette image que l'on peut appeler utopique mais qui est ridicule et qui est volontairement ridicule de la société communiste dans laquelle chacun est à sa volonté, chasseur le matin, pêcheur l'après-midi et critique le soir. Donc c'est ridicule parce que ça ne fait pas une société. Mais c'est cette idée que la société utopique, c'est la société dans laquelle chacun peut pleinement se réaliser, chacun est libre de faire, d'accomplir ce qu'il veut et quand il veut. Je redonne la parole au modérateur, mais j'aurai encore à parler de la dynamique après. Ben, je vais fermer un peu sur la dynamique parce qu'on n'a pas encore abordé la question de Via Island, mais en fait... quelque part, si on doit résumer, c'est-à-dire que vous rejoignez sur la notion de mouvement et de dynamisme, et que l'utopie, je rejoins sur ce que vous disiez sur le bonheur, c'est-à-dire de la même façon que le bonheur est plus un processus constant et justement un processus, un mouvement, que quelque chose qu'on peut atteindre de façon concrète. On en revient finalement que l'utopie, c'est la même chose. C'est un processus dynamique, un mouvement, et c'est ça en fait sa réussite, pas l'atteindre ou pas, ou essayer de l'atteindre est peut-être l'erreur. C'est le processus, le chemin. Je voudrais quand même, parce que c'est très intéressant, mais on n'a pas encore abordé de Via Island. Via Island, justement, on va être dans le cadre d'une île. Et Via Island est justement une société utopique, réelle, figé, mais qui va basculer dans l'utopie, comme si quelque part même considérer qu'on a un jour atteint l'utopie, c'est la stagnation qui est le début de la décadence. Et donc le processus utopique, si à un moment il est vraiment incarné, il pose les fondements de la dystopie. Et justement, Via Island, c'est exactement ce que ça propose. Est-ce que quelqu'un veut en parler ou... Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour The Island, c'est exactement ce mécanisme-là. Il n'y a pas de...
Bon, en fait, dans The Island, l'idée, c'est que vous avez d'abord un spectacle d'une société parfaite, idéale, hein, qui donne le droit à chacun de faire, entre guillemets, ce qu'il veut ou ce qu'il croit vouloir. Et puis, assez rapidement, dans un mécanisme de rouage qui grippe, qui remonte au meilleur des mondes, hein, en fait, on se retrouve avec une situation qui permet de révéler, en fait, les faux-semblants, c'est-à-dire que cette société qui a l'air réelle ne l'est pas du tout. En réalité, elle est complètement factice et elle n'est qu'un réceptacle, qu'un environnement complètement artificiel pour en fait des clones qui vont servir en réalité de réserve d'organes à des riches privilégiés qui en fait vont utiliser ces clones pour augmenter leur propre vie, augmenter leur propre liberté, augmenter finalement leur propre confort. Et il y a un autre film hein, qui est intéressant aussi, c'est Never Let Me Go. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. Mais oui, ce qui est intéressant dans The Island, c'est qu'au départ, ils sont vraiment dans l'utopie. Ils sont dans un monde où tout l'extérieur a été détruit, etc. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que non, ils sont dans une société de contrôle total. Et on revient justement au contrôle et à ces basculements entre utopie et dystopie qui peuvent être très rapides et juste un changement de point de vue. Oui. Par rapport à The Island, on retrouve d'ailleurs certaines choses qu'on avait dans un film beaucoup plus ancien qui s'appelait L'âge de cristal, où on est encore là dans une société qui, pour les habitants de cette société, est parfaite, puisque tous leurs besoins sont comblés, tous leurs désirs sont comblés, avec un problème, c'est que cette société met à mort les gens quand ils atteignent l'âge de 30 ans, en leur promettant une possible réincarnation qui, en fait, est inexistante. Dans The Island, on a ce même mécanisme du on fait croire aux clones qu'ils sont devenus amnésiques parce qu'ils viennent d'un extérieur contaminé, mais qu'on fait des efforts pour reconquérir cet extérieur et que ceux d'entre eux qui seront gagnants à la loterie pourront retourner y vivre. Quand le numéro d'un clone sort, c'est parce qu'on a besoin de ses organes, donc on les scamote. Tout ça, c'était pour dire quoi? Que dans tous ces parallèles-là, on a affaire à quoi? On a affaire à des individus qui sont privés de toute autonomie. Je veux dire, dans la société de l'âge de cristal, ils sont élevés en crèche, ils ne connaissent même pas leurs parents biologiques, et on leur promet un monde de jouissance jusqu'à cette fin inévitable, promesse d'une réincarnation inexistante. Dans The Island, on leur raconte qu'ils sont amnésiques. Dans tous ces cas-là, on ne peut pas être dans l'utopie malgré les apparences, puisqu'on est à peu près tous d'accord, en tout cas à cette table, pour dire que l'utopie, ça passe par l'action volontaire et délibérée des gens qui vivent dedans. On en rejoint ce que tu disais, la différence entre... Bon, moi, je mets l'accent un peu sur le côté individuel et toi sur l'aspect collectif. Les deux doivent coexister, parce que sinon, effectivement, et on le retrouve à un niveau moins utopique, mais à un niveau tout aussi actuel pour nous, dans notre système démocratique, comme Jean-Luc l'a très bien soulevé, on est dans un système qui, sur ses formes et ses mécanismes, n'a absolument pas changé, mais de plus en plus de membres, de citoyens de ce système, sont persuadés qu'ils ne pèsent plus sur la manière dont ce système évolue. Et donc on est dans une forme de stagnation, dans une forme où on peut subvenir à certains de nos besoins, mais on nous prive de toute façon de véritable autonomie pour dire « voici nos besoins ». Une sorte de d'œuvre stupide. Oui, on peut le dire comme ça. L'âge de cristal, à l'origine, c'est un livre de science-fiction. Et ce qui est intéressant, et là je rebondis à ce que... qui est planétaire, donc ton système clos que tu nous évoquais tout à l'heure, et justement, quelle va être la solution? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont fuir, ils vont fuir dans l'espace. Donc on rejoint le propos tout à l'heure. Parce que The Island, bon, vous l'avez, j'imagine que tout le monde l'avait vu, The Island, à peu près ici. Est-ce que vous aviez vu Never Let Me Go? Ça vous dit quelque chose? C'est un film, alors j'ai retrouvé les références là en même temps grâce au réseau parce que j'aurais pas pu, hein, de Marc Romanek, donc de 2011. Et donc c'est un film qui est intéressant parce qu'il a exactement le même sujet. Alors ça commence comme dans un lycée anglais élitiste,
à la Harry Potter, mais dans la réalité. Et en fait, ce sont exactement la même chose. C'est-à-dire, ce sont des clones qui sont éduqués, qui suivent une éducation. Et il y a le thème de l'éducation aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, dans l'utopie. Mais le lycée anglais, c'est une forme d'île, c'est une autre forme d'île. C'est une forme d'île, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, c'est très fermé, c'est très codé, ils sont en uniforme, etc. Donc il y a tous les codes d'une utopie, mais qui n'est pas de prime abord une utopie. Et c'est pareil, et de temps en temps, ils sortent, ils partent, on ne les revoit pas. Alors on dit qu'ils tombent malades, ou qu'ils sont opérés, qu'ils ont un problème, et en fait, on leur enlève des organes, et finalement, ils disparaissent. Et il y a pareil un couple qui s'échappe, exactement comme dans The Island, hein, c'est le même processus, et qui découvre la réalité en allant voir les originaux, qui sont beaucoup plus vieux qu'eux, bien sûr, puisque c'est à partir de ces originaux vivant dans la réalité que l'on a fait ces clones. Et c'est un film extrêmement émouvant et qui cache son mécanisme pratiquement jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on, pendant plus d'une heure, on est vraiment dans l'illusion de voir un film classique sur l'éducation anglaise et sur un collège anglais comme ça, élitiste. Et puis petit à petit, et ça c'est très troublant, je trouve que ça fonctionne mieux que The Island de ce point de vue-là, parce que quand on prend le choc de la contre-utopie et qu'on prend conscience de tout le caractère factice, ça fait beaucoup plus mal. Voilà. Bon, ça fait déjà une heure qu'on parle. Avant de poser les questions au public, si vous avez quelque chose qui vous a manqué, une dernière chose dont vous voulez parler, mais vraiment en deux ou trois phrases maximum. Sur la dynamique, je voulais quand même mentionner Zamiatin et nous autres qu'Hugo a rapidement évoqué aussi. Nous autres qui a été mal lu, à mon avis, comme un ouvrage contre la révolution russe, alors que Zamiatin est à fond pour la révolution et qu'il dit explicitement que le malheur, c'est quand les révolutionnaires considèrent qu'ils ont fini et que leur révolution est la dernière, qu'il n'y en a plus à faire, d'où l'histoire. Pourquoi parles-tu de la dernière révolution ? La dernière, c'est pour les enfants. Nous aussi, nous finirons par tomber. Et donc cette idée d'un processus sans fin. Juste pour dire un mot aussi, puisque tu nous dis trois phrases, moi je regrette qu'on n'ait pas encore assez parlé d'éducation, mais surtout quelque chose pour rebondir sur ce que tu disais, en faisant référence de façon tout à fait claire aux événements de notre société actuelle, bien sûr. L'angoisse qui pointe chez les auteurs d'utopie et de contre-utopie, c'est cette idée de l'incapacité supposée de l'humanité à éviter de tomber dans un système figé après avoir détruit le précédent. C'est-à-dire que bien souvent, on voit des utopies qui sont des utopies du volontarisme en mouvement, en construction, qui sont un investissement, et très rapidement, comme on le voit dans la Révolution française ou dans d'autres grands événements, très rapidement, on revient sur un système figé. Donc c'est exactement ce que tu venais de dire. Et ça, c'est vraiment le travail des auteurs de dystopie. On pense souvent que les auteurs de dystopie écrivent des dystopies parce que de façon négative, c'est plus intéressant dramatiquement, mais il y a une autre raison, c'est que la vraie angoisse de l'humanité, c'est serons-nous capables de sortir du besoin de stabilité et de fixation dans un système donné. Voilà. Merci Hugo, parce qu'en fait, tu viens de me passer la balle. En fin de compte, pour les deux, trois dernières phrases qui me concernent, il me semble que les utopistes sont un peu comme des pionniers, et comme les pionniers, dès qu'on arrive à la génération 2, ça peut être une génération biologique ou ça peut être le après, c'est là que les choses commencent à se figer, parce que, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, on a un besoin profondément humain, puisqu'on sait que toute la réalité a commencé par notre esprit et nos corps et notre société, et ce qui nous entoure change en permanence. On a un besoin humain de stabilité, de permanence et d'intemporalité. Et on est persuadé, et l'histoire de nos civilisations nous persuade, qu'il y a des états idéaux définitifs. D'ailleurs, notre propre société de consommation nous rappelle sans arrêt que si on obtient ceci, si on fait cela, si on va ici, si on rencontre la personne qu'il faut, si on atteint un état qui sera acquis pour toujours. On sera heureux. On sera heureux, par exemple. Jusqu'à la prochaine voiture. Voilà. Mais, à nouveau, et là je rebondis sur cette histoire d'éducation, ben, les gens qui atteignent cet état ou croient l'avoir atteint, la première chose qu'ils souhaitent, c'est que ceux qui vont les suivre maintiennent cet idéal. Et ça y est, l'esprit utopique, l'esprit pionnier est perdu. À l'instant où on se dit, je suis arrivé, il faut que ça continue comme ça, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'éduque mes enfants en conséquence. Et ça y est, je les prive de
Et qu'est-ce qui se passe plus tard? Eh ben, on a le choc des générations pour certains, où on a des révolutions, où on a des gens qui s'en vont, et à nouveau l'utopie nous échappe. Et on pourrait faire une conférence entière là-dessus, mais en creux, je trouve qu'on a posé des explications sur le grand nombre de dystopies dans la littérature jeunesse et young adulte actuelle. C'est complètement logique. Je me tourne vers le public. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des choses que vous voulez dire, même si ce n'est pas des questions? Bah, du coup, vous pouvez parler encore un petit peu. Le public est circonspect. Pas d'intervention, hein? Ouais. Bon, allez, je rajoute une dernière question rapidement. Quel est l'intérêt d'écrire des utopies en 2016? Parce que quelque part, là, on a bien compris l'intérêt d'écrire des dystopies. Ça sert de miroir déformant, de choses à éviter. Mais est-ce qu'on peut vraiment encore écrire des utopies en 2016? Et selon quelle modalité? Alors, voyons, ta question est difficile. Hein. Merci public, hein, c'est super de nous laisser affronter des questions super difficiles. Sinon je l'arrange et j'ai un truc pour... Non mais on va y aller, c'est pas grave, moi j'ai pas peur. Ça serait facile de te répondre en te disant que les seules utopies qu'on peut écrire aujourd'hui sont des utopies personnelles en fait, finalement. Des utopies individualistes. Pour éviter la dystopie, hein, pour éviter la dystopie, bon. Il y a aussi l'idée souvent qu'aujourd'hui on écrit encore des utopies ouvertes et pas des utopies figées. Des utopies en construction. Ou parfois des utopies qui auraient pu avoir lieu, puis qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire au fond des uchronies. Je prends Rêve de gloire, Roland Wagner et autre chose, évidemment. Et quelque part même le post-apo et après l'apocalypse, c'est un moment de remontée, donc c'est presque plus un prémisse d'utopie que... Bien sûr, le post-apocalyptique, tous les romans de post-apocalyptique ne s'intéressent qu'à une seule chose, qu'est-ce qui se passe après? C'est la reconstruction, c'est comment font les survivants, comment ils s'organisent, dans quel schéma politique ils retombent, voilà, The Walking Dead en passant par... C'est toujours la même affaire. Par contre, moi je pense qu'on est quand même... on peut quand même écrire des utopies au sens classique du terme. On peut quand même écrire des utopies au sens classique du terme, même si on ne vendra pas de bouquins. Ou très peu. Mais on peut en écrire encore parce que finalement... qu'est-ce que ça veut dire écrire une utopie? Si je reprends la très belle phrase, la très belle présentation qu'a fait Jean-Luc Gottereau, c'est quelque chose qui pèse sur le présent. Et moi, en tant qu'auteur, je me sens tout à fait légitimé à décrire une utopie avec tous les codes aujourd'hui narratifs, hein, qui sont les nôtres, c'est-à-dire pas de manière figée, pas avec un simple dialogue sans aucun événement, mais avec l'évolution des personnages, etc. Mais à esquisser des utopies... dont on sait très bien, et dont le lecteur sait très bien, parce que le lecteur n'est plus dupe aujourd'hui, que je ne suis pas en train de décrire un système figé à appliquer à la lettre, une sorte de vadémécum du bonheur en quelque sorte, mais de montrer qu'on est capable encore de concevoir, même dans un monde justement qui est un monde en crise, en perte de repères, etc., et où il est si facile de faire des dystopies, je pense qu'on peut encore écrire des utopies aujourd'hui si on garde présent à l'esprit que le seul but de le faire, c'est que ça pèse sur la liberté présente de changer le monde. Donc en ce sens, l'utopie, mais ça c'est une évidence pour toi, est clairement partie de la science-fiction. Sous couvert, c'est juste interroger le présent. Moi, je dirais juste, si tu dis est-ce qu'on peut encore écrire des utopies, est-ce qu'on doit, entre guillemets, écrire des utopies, ben, tout simplement, c'est parce qu'on est dans le noir qu'on a besoin de lumière, même si la lumière n'est pas une finalité en soi. Voilà la seule réponse que je peux apporter, de façon, on va dire, allégorique. Ton univers de jeu de rôle est un mix extrêmement intéressant de différentes philosophies, et en particulier tu mélanges des philosophies occidentales, des sociétés occidentales, avec des aspects orientaux, et justement en Orient il y a souvent la question des contraires complémentaires. On l'a vu avec l'utopie et la dystopie, et je me demande si dans la mise en avant de l'importance du dynamisme qui est arrivé ici, il n'y a pas aussi le fait d'arriver à la notion de cycle, et que peut-être quelque part, ok, l'utopie forcément va arriver à un moment de stagnation, va arriver à un niveau de décadence,
la dystopie, mais post-apo, etc., repartir derrière. La question peut-être est de savoir comment faire pour que, éviter que ça soit des cycles figés, mais que ça soit plutôt des cycles, et là on rentre dans un côté plus oriental, des cycles progressifs pour au fur et à mesure avoir une amélioration. Alors, je ne suis pas du tout un expert en pensée orientale, mais beaucoup de philosophies orientales mettent en avant la notion cyclique des choses tout en explicitant qu'il faut en sortir. Pas forcément en les rejetant et ne donnent pas forcément des recettes, mais c'est le principe. Je veux dire, si on est dans l'hindouisme, on est dans le karma où on dit de toute façon, quels que soient les états d'existence, vous allez retomber dans certains schémas en générant du bon du mauvais karma. Le bouddhisme avait la prétention de vouloir en sortir en disant si on atteint l'illumination, on quitte ce cycle. La notion de cycle, moi, où elle me dérange, c'est qu'elle est super déterministe, évidemment, et qu'elle est très mécanique. Mais en même temps, elle permet de relativiser beaucoup de choses, ce qu'on peut appeler l'histoire de la mauvaise et de la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que toutes les bonnes choses ont une fin, et la bonne nouvelle, c'est que toutes les mauvaises choses aussi. La question, c'est nous, individuellement et collectivement, comment on intervient dans le cycle. Je me suis mal exprimé, c'est une dimension qui est souvent peu mis en avant, mais c'est-à-dire que c'est pas un cycle qui repart sur les mêmes bases. Et si tu veux, dans la descente, il y a des choses améliorées qui fait que, au fur et à mesure, tu as une amélioration générale. Il faut l'envisager, tu vois, en spirale. Mais ce qui m'avait beaucoup intéressé quand tu m'avais parlé de ton univers, et j'ai envie qu'on sorte un peu pour que tu parles de ton jeu, tu vois, ne serait-ce que le citer, c'est que tu m'avais parlé d'une société qui se voit comme figée, dominatrice, etc., mais qui a comme fondement dans sa constitution un texte militaire d'un opposant. Brièvement, puisque le but c'est pas de faire de la publicité pour le jeu de rôle en général ou ma création en particulier, l'univers que je développe, qui a été édité récemment, Chiaroscuro, donc en italien clair-obscur, on est encore dans les rivages méditerranéens, et bien imaginez, en très résumé, un univers régi par deux forces, le clair et l'obscur, donc le yang et le yin du taoïsme, avec des divinités dont les humains connaissent l'existence mais sont incapables de dire ce qu'elles leur veulent. Et la civilisation principale à laquelle je me suis attaché, l'Empire Célaltan, ben, c'est une Rome fictive qui aurait évolué jusqu'à l'époque de la Renaissance avant de se casser la figure en raison de tensions internes. Ce que je voulais, c'était montrer que tout ce qui semble figé, dominateur et garanti ne l'est pas forcément. Et par rapport à ce que tu soulevais, c'était cette idée d'imaginer une civilisation patriarcale, militariste et conquérante, dont le principal texte militaire, effectivement, a été écrite par une résistante qui a fait tourner leurs armées en bourrique pendant plusieurs années et qui était une étrangère. Donc, patriarcat, nationalisme, militaire, et une jeune femme ennemie qui devient la principale responsable de leur héritage stratégique après leur conflit. Et toute la démarche que j'essaie de développer à travers cette création, c'est de montrer que les choses ne sont jamais, c'est évident d'ailleurs, monolithiques. Et que dans toute chose qui semble figée, il y a déjà les germes de sa transformation et de sa destruction. Que ce soit un empire, que ce soit une personne. Puisque, je veux dire, personne parmi nous, là on revient vers les philosophies un petit peu orientales, on est tous, en tant qu'êtres humains, très différents, mais aucun d'entre nous n'est étranger à la joie, à la peine, à la colère, au désir, à la jalousie, à la tristesse et à la quiétude. Et quand certains de ces états nous traversent, eh bien, il y en a qu'on rejette, il y en a auxquels on aimerait s'accrocher pour qu'ils perdurent, mais les uns comme les autres finissent par passer. À moins de tomber dans des pathologies mentales, ce qu'on ne souhaite à personne. Et les sociétés, à mon sens, on en est les créations, elles sont nos créations. Bon, je vais sortir des banalités et je ne suis pas non plus un expert. Mais les sociétés sont quand même le reflet de mécanismes très similaires. Aucune société humaine, aucune, nulle part, s'est manifesté sans forme de discrimination de certains de ses membres, sans forme de hiérarchisation de certains de ses membres. Aucune société humaine ne s'est perpétuée sans être touchée de plein fouet par est-ce qu'on demeure tel qu'on est ou est-ce qu'on se transforme.
Et là, il y a un des plus beaux textes de science-fiction pour moi qui me vient à l'esprit, qui est « Ceux qui viennent d'Homelas » de Ursula K. Le Guin, où on a une magnifique utopie, mais où on va s'apercevoir que cette utopie fonctionne parce qu'il y a un bouc émissaire. Et la question est de savoir mais pourquoi et comment certains vont choisir de quitter cette utopie. Si ce n'est que justement, c'est parce qu'il y a un bouc émissaire que certains choisissent. Là, tu viens de donner la fin de la nouvelle. La question se pose de savoir pourquoi certains choisissent de quitter cette utopie. Et à la fin, on comprend pourquoi c'est que cette utopie où tous sont heureux est construite en fait sur le malheur d'un. Oui, mais en creux. La vraie question, c'est que pourquoi les autres restent ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi acceptons-nous tous à un degré ou à un autre la société telle qu'elle est, alors qu'il y a à Vintimille des gens qui ont fait un long chemin en espérant trouver un peu des conditions de vie décentes et que nos gouvernements les refoulent et les maintiennent dans la misère. Comment pouvons-nous accepter ça? Comment pouvons-nous accepter tous les massacres qui sont menés dans le monde auxquels très souvent nous contribuons indirectement? Parce qu'on peut bien dire que c'est loin, nous n'y sommes pour rien, mais donc il y a quand même, quoi qu'en disent certains philosophes réactionnaires qui se sont fait justement cracher dessus, il y a quand même une responsabilité historique de l'Occident qui a complètement déstructuré des sociétés et qui refuse d'assumer maintenant les conséquences de ces actions passées. Oui, et il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que notre société fait figure d'utopie. Et pour ceux qui viennent, et on peut imaginer la déception qu'ils peuvent ressentir. Et justement, quelque part, la dernière utopie à venir en date, quand même, pour moi, quelque part, est le transhumanisme. Alors je vais faire un truc horrible, je vais profiter de mon statut de modérateur pour boucler. Et dans le transhumanisme, il y a cette idée d'immortalité et tout, etc. Et je trouve que trop souvent, on ne s'interroge pas sur « oui, mais pour qui ?» Et que justement, ok, il va avoir une utopie pour certaines personnes qui seront sans doute les plus riches, etc. Et que va-t-il advenir de nous, qui ne ferons pas partie de ces rares élus? Que va-t-il se passer quand nous serons de l'autre côté? Nous ne serons plus dans l'utopie, nous serons pas dans la dystopie totale, hein, mais dans une espèce d'entre-deux. Et comment se comporteront vis-à-vis de nous, et en espérant qu'ils se comporteront mieux vis-à-vis de nous que nous, ce que nous pouvons faire? Juste pour ajouter un mot quand même, parce que je veux pas lui laisser le dernier mot, ça m'énerve. Non, mais c'est pas pour ça. Juste pour ajouter un mot par rapport à ces spirales que vous avez données, par rapport à tout ça, et c'est que on peut faire aussi de l'utopie en utilisant l'histoire de l'utopie. C'est-à-dire pas faire des utopies pour faire encore de nouvelles utopies, pas forcément, mais pas perdre de vue que tout l'expérimentation intellectuelle, toutes ces expériences de pensée sociale, politique, etc., qui ont passé, en fait, qui se sont comme par des couches successives. Pour faire une spirale, il faut bien que tu laisses le trait au début de la spirale, sinon tu vois pas la spirale, d'accord? Donc il faut bien conserver la mémoire du trait. Donc de cette manière-là, on a encore besoin des utopies du passé, même si elles ont l'air complètement obsolètes, pour être des éléments de réflexion, d'argumentation, et pour qu'à partir de ça, on puisse justement faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais faire un truc extrêmement jouissif. Je vais parler derrière toi et terminer en te citant. Donc justement, donc Hugo Bellagamba, parce que justement les utopies, en ce sens, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont un miroir informant qui nous renseigne sur les valeurs, les peurs et les espérances d'une époque donnée. Donc même les utopies qu'on peut écrire aujourd'hui seront dans le futur des révélateurs de notre rapport à notre société, fantasmée, illusoire, etc. Et c'est ça la science-fiction aussi, voire principalement. Merci à tous. Merci.